Le vin, c'est l'émotion. Le vin, c'est le partage. Là, les gens peuvent assister à des concerts, assister à des musiques, manger un petit morceau, boire un bon verre de vin. Donc, c'est un moment très convivial et c'est ce qu'on souhaite. Le bar à vin, c'est la vitrine des viticulteurs de Saint-Émilion et de la maison du vin de Saint-Émilion. Donc cette année, comme tous les ans, on sélectionne les vins par tirage au sort pour proposer, en fait, pendant le Saint-Émilion Jazz Festival, 21 références différentes par jour. C'est vraiment le prix direct propriété pour que le vin soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse boire un verre de Saint-Émilion, de Lussac Saint-Émilion, de Puisseguin ou de Saint-Émilion en cru, voire de classé sur le bar à vin. C'est ce côté intimiste un peu qu'on peut retrouver aussi dans le jazz. En plus c'est différent, on va dire, différents styles de jazz aussi qu'on a eu tout au long de la journée. Donc c'est intéressant. Il fait beau, on a du bon vin, des bons produits locaux, c'est vraiment parfait. Les dégustations musicales, c'est clairement pour passer un bon moment, échanger, pouvoir utiliser tous ses sens. Il y a un côté festif aussi, parce que le vin, voilà, c'est tout le côté festif du vin, la musique l'apporte aussi. J'aime bien les différences des vins que j'ai découverts aujourd'hui et de voir tous ces viticulteurs qui mélangent leur façon de faire, leur façon de voir et d'expliquer leur vin. J'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant. C'était un beau challenge et finalement, puisque les vins sont exceptionnels, on a pu faire de la bonne musique par rapport à voilà, ce qu'on ressentait. Écouter de la musique, voilà, ça s'adapte aussi par rapport au palais, enfin, tout se mélange pour... un équilibre. Flashing lights, I grab my phone. I wanna check what's going on. I wanna know what they're saying. What's the outfit of the day?